pas. Il n'est pas là. Allez, on y va. Et donc, on continue ce qu'on a dit hier. Il faut se renforcer, messieurs. On est encore dans les Shiva du Rav Kanievski. Même après, Bezrat Hashem. En tout cas, Bisruto, on va se renforcer sur les Mouda Torah. Et il dit le Ochot Sadikim. Mi Shinesa Olibo Lassot Mitzvazole Ulkayem Karaoula Veliot Murta Bechitra Shel Torah. Mi Shinesa Olibo. Regarde l'expression qu'il utilise. C'est quoi Mi Shinesa Olibo? Celui que son cœur le porte. Il est porté par son cœur. On voit ça dans l'édification du Mishkan. Mi Shinesa Olibo. Qui c'est qui a amené des présents, a amené de l'or, a amené de l'argent, en fonction de combien son cœur le portait à faire la mitzvah. Donc, Mishinessa Olibo. Parce qu'on sait que le cœur, il dit Rav Dessler, que le cœur, c'est la source de mes volontés. C'est raison. C'est la source de mes volontés. Et donc, quand on parle du cœur, on parle de volonté. Et donc, Mishinessa Olibo, si quelqu'un, ben, émet, il a cette volonté profonde et sincère, d'étudier la Torah, comme on l'a expliqué hier, Torah tout manuto, et même à nos petits niveaux, de fixer un moment dans la journée de Torah, fixer, je ne dis pas d'étudier quand il peut, de se fixer, comme vous faites tous les matins, après la tuila, mais certaines personnes, Baruch HaShem, se fixent un moment de Torah, ils sont là tous les matins, avant d'aller travailler. Donc celui qui, Bémet, est porté par la Torah, et que son cœur le porte à étudier maintenant la Torah jour et nuit. Lo yasiar da'ato lidvarim betelim. C'est ce qu'il a été Rav Kanievski. Attention, il ne mettra plus sa tête dans des choses futiles. Il n'y a plus le temps, il n'aura plus la possibilité de. Velo yasim el libo shikne Torah imosher vechavot keichan. Et au départ, je vous l'ai déjà dit, il ne peut pas se mettre dans son idée de pouvoir acquérir la Torah avec la richesse matérielle. Pourquoi on voit ça? Lorsque Yaakov avec nous va combattre le Satan, le malach de Esav, qui est le Satan, malach Hamavet, il écrit, il a vu qu'il ne pouvait, Shen Yacholo, il a vu le malach de Esav qui ne pouvait rien faire contre Yaakov. Ou le Yachol. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire en vérité? C'était quoi le combat entre Yaakov et le malach de Esav? Il voulait tuer Yaakov. Il ne voulait pas tuer Yaakov. Il ne pas tuer Yaakov. Il l'empêcher les descendants. Omer Akli Yakar. Omer Akli Yakar, à la Torah. Dit que le malach de Esav, donc Esav, le Satan, Yetzara, il voulait rendre Yaakov un renégat. Renégat, renier Dieu. Il écrit Adalot Hashacha. Tout le combat était la nuit. Et la nuit, on a dit, c'est le symbole de l'obscurité. Et donc, quand ça va pas, quand tu as des shélot, quand c'est obscur, quand tu ne comprends pas, quand tu as des doutes, là, il attaque pour te dire Aïm Yashashem et Kirbenu Imaïm, comme on a vu. Avec Amalek a attaqué Israël à la fin de Béchalach. Est-ce que Dieu il est pas là? Il veut te mettre des doutes, il veut te faire douter d'Hachem comme Kayou. Dieu il est pas là, Khadeshalom. Et Dieu le Kliaka, le Samer même, il a voulu rendre Yaakov renégat. Khadeshalom, renier Dieu. Adalot Hashachar. C'est quoi Adalot Hashachar? Jusque le lever du jour. Le jour c'est quand tout est clair. Yaakov il a réussi. Yaakov c'est Israël. Et c'est ça le Satan, c'est le Yetzerara. Au niveau Yaakov avec nous Israël, mais au niveau Israël c'est nous. Pareil, dans l'obscurité de la galoute. Dans la difficulté de la galoute, dans les épreuves de la galoute, qui est l'obscurité, il veut nous faire douter. Aïmia Shishem et Kirbenou, est-ce que Dieu il est là ou pas? Dieu il était où à la Shoah? Dieu il était où pendant l'Inquisition? Dieu il était où pendant les pogroms? Dieu était où pendant les bûchers? C'est ce qu'il veut nous faire dire le Satan, Yetzerara. Où il était Dieu? Ça m'énerve quand on dit ça. Voilà, moi aussi ça m'énerve. Exact. Mais ce que le Satan il veut faire, c'est qu'il veut qu'on dise ça. Il veut dire, le Satan il veut nous faire Dieu dire ça. Était, exactement. Est-ce qu'ils ont pensé à ce moment où était Dieu, le moment où ils ont. Où ils se sont bien éloignés de lui? Bien sûr, bien sûr. Ah, écoute bien, écoutez bien, M. Bandanan. C'est ça la question que le Satan veut nous faire poser dans l'obscurité de la galoute. C'est pour ça qu'on dit Emet Vemouna. On est encore le soir on dit Emet Vemouna, on a dit. Vérité et foi. Parce que le soir, c'est la notion d'obscurité, de questionnement, où Khadeshah, on ne voit pas Dieu, les notions d'épreuve. Fola Emouna, Fola Emouna. Gam ki eler beget salmanet lo ira ra ki atayim m'a dit. Même si je me trouve dans la vallée de la mort, rien ne peut m'arriver parce que tu es avec moi, Kadosh Borou. C'est Emouna, mais il faut avoir la Emouna. Ah bah le matin, quand tout est clair, qu'est-ce qu'on dit? Emet, Veyativ. C'est clair. Emet, Veyativ. C'est quelque chose de sûr. Ça, c'est quand tout est clair. Le Satan, quand il a fait la guerre contre Yaakov, le mari de Esav, il a voulu taper, il a voulu casser, il a voulu rendre Yaakov renégat. Et il a vu qu'il ne pouvait pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le nerf sciatique, la hanche de Yaakov. Omer Hagaon de Vilna et d'autres encore commentateurs, il vient et il nous explique. Il dit pourquoi il a tapé la hanche.
En vérité, il a vu qu'il ne voulait pas taper Israël. Il ne voulait pas attaquer la Torah d'Israël. Et que la Torah d'Israël, le peuple juif, il est éternel par sa Torah. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on t'appelle juif, qu'on m'appelle juif, qu'on est juif, c'est la Torah d'Israël. Parce qu'on n'a pas bougé de qui vous êtes. On n'a pas bougé d'un millimètre de cette Torah depuis mon cher Rabbeinu. Alors il a fait une chose. Il a dit, je vais taper la hanche de Yaakov. C'est quoi la hanche? C'est quoi le nerf sciatique? C'est la base. C'est ce qui retient. C'est quoi, hein? C'est l'homme des Torah. Ce qui tue la Torah. Qu'est-ce qu'il a tapé? Il a tapé la poche. Il a tapé la poche. C'est-à-dire, mais maintenant, quelqu'un qui va décider de prendre sur lui Torah tout manuto, que la Torah c'est son métier, et bien Ezrat Hashem, pour enseigner après la Torah, lui, il aura un grand nisayon. Il aura une grande épreuve de pauvreté. Et ça va être très difficile pour lui. Très difficile pour lui. Et Satan, il ne va pas taper autre part que dans la poche. Et il n'aura des fois pas à manger. Il n'aura pas de quoi, même un bout de pain, il n'aura pas à manger. Lama, pour le faire lever de sa chaise et qu'il aille travailler et sortir. Je n'ai pas dit que le travail c'est grave. Non, mais lui, il le sortit en tout cas de son but et de ce qu'il doit devenir. Et combien d'histoires avec les Gdolim Israël, ou avec les petits d'Israël, n'importe quel avraire qui pourra vous témoigner. Moi, je peux vous témoigner. Mais combien d'histoires avec le rabbi Yosef, qu'on connaît tous, que son père est venu le chercher à l'Eshiva pour qu'il vienne travailler à l'épicerie, parce qu'il avait besoin son père de lui. Et que le Rosh Yeshiva, il a pris sa place. Il a dit, non, toi tu vas chez moi, je reste là, on va pas perdre le prochain Gdolador. Et s'il n'avait pas fait ça le Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'on aurait perdu? Qu'est-ce qu'on aurait perdu? On aurait perdu le Chevedat, on aurait perdu Abi Omer, on aurait perdu Chazon Ovadia, on aurait perdu Ikut Yosef. Qu'est-ce qu'on aurait perdu? Qu'est-ce qu'on aurait perdu? Toute cette Torah. Pourquoi? Parce que le Satan, Yetzerara, quand il veut empêcher quelqu'un d'étudier, il va taper dans la poche. Il va le mettre dans la difficulté et il va se demander, allez, comment je vais faire? Il faut que je renouvisse mes enfants, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça. Comment je vais faire? Il va taper dans la poche. Shamatem, il a fait. Et il dit, c'est ça en vérité. Quelqu'un qui étudie, il faut qu'il sache au départ. Ton nisayon dans la vie, au départ, comme on a écrit dans le Pirkei Avot, qu'est-ce qu'il écrit dans le Pirkei Avot? Kol ha-mekayem mi'oni, sofa le-kayem be'osher. Tout celui qui mekayem la Torah au départ, be'oni, avec dans la pauvreté, dans la difficulté, à la fin, quand je roule ma fiacre, Dieu lui assure qu'il sera mekayem mota, be'osher, avec aisance. Rocher, avec Aïn. D'accord? Avec Rocher. Avec aisance. Parce que là, on ne parle pas de hocher de bonheur. Parce que la personne qui est en train d'étudier, même quand il n'a pas d'argent, il est hocher. Il est dans le bonheur. Là, on parle vraiment d'argent et de matériel, dans un habitant avec des biens matériels. D'accord? Et donc, quelqu'un qui va au collège, quelqu'un qui va et qui se dit, voilà, je vais commencer à étudier, toi, à tout moins, nous touche pas. Quelqu'un qui fait ça de sa vie, il faut qu'il sache. L'épreuve, ça sera ça. De toute façon, il sait que l'épreuve, ça va être. L'épreuve, ça va être ça. Non, c'est pas l'épreuve, ça va être ça. Et la kar idakachet Torah. Et la kar idakach. Non, mais je veux dire, moi j'ai des amis, ils n'ont pas eu cette bière. C'est pas beaucoup, mais il y en a. Bien sûr. Comment? Ben les parents. Ah. Et le ma. Ben ouais, d'accord, mais il n'a pas eu l'épreuve. Mais il a d'autres épreuves, mais pas celle-là. Ouais. Mais c'est rare. C'est rare, comme tu as dit, voilà, c'est rare. C'est parce que les parents, ils sont derrière, ils ont acheté la maison, ils ont acheté la voiture, ils ont acheté le mec qui est venu au collège, était avec sa Mazda. Blainara, que Dieu le bénisse, hein. Voilà ce que j'allais te dire, Alvaï. Mais en tout cas, voilà. Oui, mais après, une fois marié, ouais. c'est plus la même donne. Hein? Non, marié, je parle, Abrech, il vient au collège. Non, mais on parle. Vous pensez qu'il est marié? Il perce moins ce genre-là. C'est marrant, mais oui. Et il dit, là, Karid Arkashel Torah. Parce que c'est ça le derrière de la Torah. Pas de bemelar tocha, l'omaim bemisora tishte, va la restishan. Tu manges du pain, tu bois de l'eau et tu dors à même le sol. Alors attention, tu dis ça à toi. C'est pas cette vision ashkenaz. Le Rotsa Yim est pas ashkenaz. Écoute. Il est ashkenaz? Il est pas ashkenaz, ça dit qu'arrête avec ces trucs nazes là. Qu'on se dit, c'est même parce que ça veut dire. Écoute ce qu'on va dire. Pas de mena Torah, le maïm et sora tishtem ala restishan. Zehu darka shel Torah. Et darka, ça c'est très sfarad. C'est un marocain. Ça c'est sfarad, ce que tu viens de dire. Sfaradim, c'est ça. C'est le truc, il est au fond de la synagogue, il fait le meshkin, il est assis. Ça, c'est très facile. Dafka, c'est Sfarad. Cette idée de la Torah, c'est Sfarad. Malheureusement. C'est pas Ashkenaz. Sache-le. Non, je veux pas qu'il. Mais après, toujours le même. Écoute bien. On dit voilà, c'est quoi ça? C'est pire qu'un vote. Pire qu'un vote. Voilà le derrière de la Torah. Tu manges du pain, tu bois de l'eau et tu dors par terre. Alors, on avait déjà fait ce cours. Si tu vends quelque chose, ils sont pas très publicitaires, hein, mais. Ça donne pas envie. Ouais. Tu veux qu'il y ait plus de gens qui étudient à toi? Tu leur dis, tu sais quoi mon fils, tu vas kiffer. Tu vas manger que du pain, boire que de l'eau et tu vas dormir par terre. Allez, viens étudier à toi. Okay, okay. Et le gars, il va foncer à l'université, le mec, il dit, tu me prends pour un fou. Quoi. J'ai que ça à faire, moi, de ma vie. Et là, mon mère arabe d'Esler, hein, c'est que ici, le pshat, il est que quelqu'un qui va... Nassau Libo, que
que son corps, son cœur l'a porté à étudier la Torah toute la journée, tout le temps, pour pouvoir enseigner, un jour, Bezrat Hashem, cette personne, elle doit savoir que c'est partie des conditions que, même si tu arrives dans une situation où tu as que du pain pour manger, que de l'eau à boire et que le parterre pour dormir, même dans cette situation, tu t'éloigneras jamais de la Torah. Ça ne veut pas dire que c'est d'Arkash et le Torah. Ça ne veut pas dire que tu dois aller chercher la misère. Ça ne veut pas dire ça, Edir Dessler. Ça te vient te dire que même dans une situation, si j'arriverais même dans cette situation-là, où j'aurais plus rien en vérité, j'abandonnerai jamais la Torah. Mais vous avez dit que Dieu, ce qu'il veut, c'est entre guillemets. Ça veut dire, je parle avec distance. Hein. Mais ce qu'il veut, c'est que le Bahrou, le Shiva ou que la vraie, soit un peu dans la difficulté. Pour qu'il puisse étudier la Torah ou jamais. J'ai pas dit, non, t'as mal compris ce que c'était dans ton livre. J'ai dit que le Satan, lorsqu'il a combattu avec Yaakov, le malheur de Essa, il a tapé la hanche. Et pourquoi il a tapé la hanche? Parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas. Il pouvait pas attaquer la Torah d'Israël. On sera tous fidèles à la Torah d'Israël. De génération, on dira tout schéma Israël, schéma Israël. Il a vu qu'on pouvait pas, il pouvait pas séparer ou éloigner le peuple juif de son Dieu. On serait fidèle à Hachem. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le socle du Ham Israël. C'est quoi le socle? C'est ceux qui tuent la Torah. C'est la pérennité. Comment il a tapé ceux qui tuent la Torah? En les empêchant de tuer la Torah. Comment? En enlevant la parnassa. Que les preuves maintenant, c'est pas Dieu qui a voulu, c'est le Satan qui a fait ça. Le Satan qui a tué Yaakov, il a tapé la hanche pour empêcher d'étudier. Parce que vous avez dit, sachez que pour les Avraires, c'est très compliqué pour eux. L'épreuve que Hachem envoie, c'est ça. Son épreuve, ça sera ça. Voilà, mais l'épreuve que Hachem envoie, parce que pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le Satan, c'est avec le combat de Yaakov et du Satan. Et du Malach de Essa. C'est ce qu'il a fait. Tu vois? Donc si on aide un Avraire pour qu'il soit dans l'aisance, on ne vient pas contredire les plans d'Hachem. Bien au contraire. Dans l'aisance, pas dans. C'est ta mitzvah. Dans l'aisance, pour qu'il soit vraiment dans l'aisance. Il a plu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires, plein d'histoires comme ça. C'est une épreuve de recevoir la Torah. D'abord, c'est une épreuve. Mais plus que ça, comment ça se passait à l'époque dans les Chinookim? Jusqu'à aujourd'hui, dans les Chinookim, quand on voit qu'il y a un poulain, un bon poulain, comme dans le tiercé 4 et plus, un bon poulain, d'accord, machin. Le beau-père, par exemple, il est aisé. Il dit, moi, je veux ce khatana pour ma fille. Pourquoi? Parce que, Baruch Hashem, il est Talmid Chacham, des midotes extraordinaires. D'accord? T'imagines, t'es avec Rav Kanievski. Et toi, maintenant, t'as Blainara, tu gagnes ta vie comme, pour 10. D'accord? Et t'as une proposition pour ta fille que toi, tu veux. On ne dit pas que tu connais pas ce que toi, tu veux. Et tu dis, voilà, c'est ta vraie, c'est Rav Kanievski, en potentiel. D'accord? Tu viens, tu lui dis, écoute, je m'occupe de tout, va étudier, je m'occupe de tout. C'est une mitzvah. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une mitzvah. Il y a beaucoup. Ça existe dans le monde ashkénaze. Ça va arriver assez. Dans le monde ashkénaze, ça existe beaucoup. Dans le monde ashkénaze, ça existe beaucoup. Pourquoi la hanche, elle symbolise la poche? C'est ce qui soutient le corps. Je vais expliquer. C'est la bassise du corps. S'il n'y a pas la hanche, tu vas la hanche qui attrape le corps. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas tout à fait la hanche. Et l'argent, c'est la hanche avec l'argent. Non, la Torah, c'est le socle du Ham Israël, c'est ce qui attrape le Ham Israël. S'il n'y a pas de Torah, le Ham Israël s'écroule. Donc ils ont tapé la hanche, c'est qui? Tamid et Chachamim. C'est ceux qui comment on appelle ça, qui supportent le Ham Israël, ceux qui portent le Ham Israël, c'est la Torah. La Torah qu'on étudie. Ok, Vim Thomas. Et si maintenant la personne, qu'est-ce qu'elle dit? Hachek Botz Maman, ou Kshefne Maasakai, Erzor Vekraveshne. Il dit, bon, tu sais quoi, d'abord je vais faire du business, je vais bien gagner ma vie, et après je viendrai, j'étudierai. Imta ale marchavazo bilibecha. Si tu penses une seconde à ça dans ton cœur, az en atazochel et kitrachel Torah l'olam. Sache que tu n'auras jamais le mérite d'avoir keter Torah. Attention, on ne parle pas d'étudier la Torah. Ici on parle de. Là on parle de quoi? On parle de kitrachel Torah. On parle de couronne de la Torah. C'est-à-dire que Torato umanuto, d'accord? Ce que je disais tout à l'heure. On ne parle pas de fixer un moment pour la Torah. Mais si une personne elle dit, tu sais quoi, d'abord je vais me faire de l'argent, puis après, toute la journée, je pourrai étudier et je deviendrai, tu ne pourras pas. Il gagnera pourquoi gagner l'argent, celui-là. Pourquoi? Non, il pourra gagner de l'argent pour Zélon Achan. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué. N'est pas la Torah. Non, c'est pas question que de ça, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas que de ça. C'est qu'en réalité, on le sait tous, on est tous dedans. Il est happé. Exactement. Le monde du travail, il te happe. Ah ouais, le monde de la matière, il te happe. On est d'accord? Voilà, c'est comme un aspirateur. Mais ça manque d'émouna, je pense, ça manque. Non, je vais pas rentrer dans l'état, chacun avec lui-même. Chacun, il y va. En tout cas, c'est une. T'as vendu 2 maisons, tu en vends 4. T'as vendu 4 maisons, tu vendras un immeuble. Elle m'a la sorte. T'es dit, bon, tu sais quoi, je vais vendre la moitié d'un quartier, après j'irai étudier. Il a dit, il fallait juste que j'appuie sur un bouton. Elle m'a la sorte. On est happé par le monde du travail. On est happé. Des fois, tu es là, tu supplies un gars pour dire, reste 5 minutes pour écouter le chiffre, reste 5 minutes. Non, j'ai rendez-vous avec ma grand-mère. Vas-y, reste ici. T'es happé par le boulot, t'es happé. C'est comme ça, c'est le monde de la matière, c'est le monde du. On est happé. Mais si on est convaincu que ce qu'on doit recevoir, on le recevra. De mon amour.
si on est convaincu oui. que tout ce qu'on doit recevoir, on, doit, on le recevra ouais. quoi qu'il arrive, indépendamment du travail qu'on fait, et ben on pourrait. D'accord, Inari, toi tu rentres dans. Je ne vais pas rentrer dans ça, d'accord, c'est vrai ce que tu y mets, hein, c'est vrai. Mais là, juste pour comprendre, tu vois, ce Inyan-là, tu vois, on est happé par le Moudjara. Et c'est pour ça, hein, c'est une des réponses. Beaucoup posent la question, pourquoi est-ce que, voilà, à l'époque de la Gemara, donc il y a 2000 ans, les gens, les Talmidei Chacham, ils parlent des Tanaïm Akdoshim, Rabbi Adam, ils avaient aussi un métier, par exemple, Rabbi Hana Sandla, d'accord ? Cordonnier. Et un cordonnier, alors, des machins, et chacun avait son métier. Et voilà, pourquoi on ne peut pas aujourd'hui ? Usurier. Icuse, oui, Icuse. Icuse, d'accord ? Et c'est pour ça qu'on appelle usurier, Icuse. Pour Sébastien ? L'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. D'accord ? Pourquoi aujourd'hui c'est pas possible ? On dit, bah alors allez, on peut faire la même chose, moitié-moitié ? On peut pas, Edil Khazonich, Iefcha, on peut pas. On peut pas. On n'est plus à cette génération-là où, comprenez, à l'époque il y avait les vaches qui étaient avec toi dans la rue. C'était la matière, elle n'existait. Entre guillemets, il y avait la matière. Mais ce monde de la matière dans lequel on vit aujourd'hui, tout est matérialiste. Matérialiste, ce monde de la matière, ce monde où on est de la consommation, le capitalisme. Le capitalisme, il a transformé l'homme. Et d'ailleurs, la société, c'est voilà, produire plus pour consommer plus. Et on va te faire consommer même des choses que tu n'as même pas besoin. On va te faire consommer là, 80% des choses qu'on achète, on n'en a pas besoin en vérité. À l'époque, ils avaient leurs chaussures, elles duraient 8 ans. Ils allaient chez le cordonnier. Et à chaque fois, il y avait un petit trou, hop, il réparait, hop, il faisait. C'était pas. Aujourd'hui, t'as une... chacun peut ouvrir un magasin de basket. Chacun. D'accord ? Il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert, pour assortir son caleçon. Vous dites qu'il faut choisir aujourd'hui ? Comment ? Vous dites qu'il faut choisir aujourd'hui ? Choisir. Entre la matérialité et la spiritualité. Je ne suis pas en train de dire ça. Si on veut pas pour ça, je suis pas dans ce sujet-là. Aujourd'hui, il faut choisir par rapport à une personne qui veut grandir dans la Torah, pour devenir rave dans la Torah, enseigner, rave, je veux dire, enseignant, pas rave dans le sens, c'est pas le titre. Son métier. C'est-à-dire d'en faire son métier, c'est-à-dire pouvoir enseigner après à Israël, d'accord ? On a besoin. On a besoin d'enseigner dans la Torah. On a le transmettre, d'accord ? D'accord ? On peut pas, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Comment ? Il y a des affaires exceptionnelles, on en connaît. Donne-moi, je ne connais pas. Alors il y a des diamantaires. Messieurs, bonne année. Des diamantaires, ça vient de tout le Torah. Ce qu'ils font, c'est cool le Torah, cool à la fin. Dans le respect de. Ils transpirent la Torah, ils servent toute la journée. Et ils ont gagné un fric. Je ne connais pas. Si tu vas dire, moi, je connais pas. C'est quelqu'un, de quoi ? Il enseigne la Torah, il fait la Torah, machin, il fait du machin ? Il est tout le Torah. Ah non, je parle pas de ça. Je parle maintenant, tu vas être un ambassadeur du peuple juif. Tu vas venir, tu vas faire une keila, tu vas faire une yeshiva, tu vas faire machin. Je parle de ça. Tout bien, toi. T'es pas quelqu'un de bien, toi. On va pas juger par rapport à ce que tu fais, Christian. Je parle pas de ça. Je parle d'éclairer l'homme Israël dans sa Torah. Si le rabbin Yosef était resté à l'épicerie, c'est l'exemple qu'on vous donne. Bon. Bah oui. Ce serait pas lui. Il aurait été un bon juif. Bien sûr, il aurait même une tête de ouf. Il aurait même eu. Bien sûr, il aurait eu la Gemara. Mais ce qu'on aurait, le rabbin Yosef, il est chat. Parce qu'encore une fois, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est le monde de la consommation. Ouais, ta miche. Mais le monde de la consommation, ouais. Et on est happé par ce monde de la consommation. Ouais. Et aujourd'hui, avec les métaverses, les machins, on va être bouffé par tout ça. Ouais. On est bouffé. Sauf en Russie, parce que maintenant, ils sont en train de retirer toutes les grandes firmes. Ils vont gagner, fermer, tu vois. Ils vont venir. Bon. Ah, Tchik, bonsoir, là, il ne pourra pas étudier. Et c'est ce que dit. Et là, assez toi, traqué, bon, mais travail. Ça, oui, tu peux le faire. Par exemple, si un avraire, ok, il étudie toute la journée. Et. Dans ses occupations, il y a beaucoup qui faisaient ça. Ils vendent des œufs. Chez lui là, tout un truc d'œufs, ça gagne beaucoup. Hein. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec des œufs. Ouais. Beaucoup d'argent avec eux. Vous le savez pas ? Non. Hein ? Parce que je vais vous expliquer. Les familles religieuses, qui sont des familles nombreuses, ça coûte très cher le manger. Très cher. Et surtout aujourd'hui, je parle même pas d'aujourd'hui, d'accord ? Donc ils utilisent beaucoup, beaucoup les œufs. C'est 4 à 5 plaques par semaine. Il y en a, c'est 8. Ouais, demande à mon fils, il travaille dedans. Et moi, c'est 8 par semaine. Parce que ça va être des omelettes, des œufs au plat, des œufs brouillés. C'est que ça. Parce que ça coûte rien. Ça coûte rien. L'œuf, il te revient à 30 centimes. D'accord ? Donc, t'imagines combien de plaques ? Bon, un peu plus aujourd'hui, ouais. Mais dans le Nord, c'est vachement que c'était 27 shekels la plaque des 32. Donc, tu vois, ça va à 80 gros. En tout cas, tu vois que le repas, qu'est-ce que ça fait ? Rien du tout. C'est rien du tout. Pourquoi je disais ça ? Voilà, un avril, il va avoir la maison, il va faire ce petit truc là. Voilà, c'est pas sautère de faire un petit business à côté. Ou bien il va faire aussi en même temps, il va apprendre. Pour pouvoir étudier, il va apprendre sauf-route. Il va faire des temps, des mezuzot, il va faire des tefillines, faire des machins. C'est bon, ça reste dans la Torah, ça va pas l'empêcher. Il peut faire le moël, toutes ces choses là, il a fait méhod, d'accord ? C'est pas sauter, c'est sa Torah. Il a dû étudier la halakhot, il continue, c'est la Torah, il n'y a pas de problème.
Mais encore une fois, hein, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est dans le monde du travail. Tu ne veux pas être dans le monde du travail. Tu peux être un très bon juif. Attention, on n'est pas en train de parler de ça. Oui, hein. Moi, je suis d'accord. Chas v'shalom, c'est une bombe atomique. Ça va, on ne parle pas de ça. On parle de pouvoir enseigner la Torah à des niveaux voilà, élevés. Tu vois, tu fais une yeshiva, tu fais un kollel, tu fais un betamidrash, tu vas enseigner les halakhot. Tu vois. Ça, il faut pouvoir d'accord, être toute la journée. Et on termine. Et on termine. On approche avec une famille et on a 46 ans et qu'à un moment donné, on a aussi des. Oui, on peut plus des. Nous, on n'a pas été sur cette voie. Ah, voilà. Non, mais même si t'as envie d'aller. Véal Thomas. Véal Thomas. C'est Bobby. Véal Thomas, assis-toi, Bobby. Il y avait un grand déjà là. Assis-toi, mon Bobby. Véal Thomas, on termine avec ça. Lekshe Paneshne. Ne dis pas, mon tzadik, Rabbi Chaim. Quand j'aurai le temps, j'irai étudier. Shmaloti Pané. Et peut-être toi, jamais le temps. Igal. Peut-être toi, jamais le temps. Hein? Quand j'aurai le temps, je viendrai étudier. Peut-être toi, jamais le temps, Igal. Kiv Batora, Loba Shamaimi. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Pérouche, Bégassé à Rouar. C'est quoi l'Oba Shamaimi? Shamaimi, c'est en haut. Elle n'est pas chez les orgueilleux. Vélo, Mehever la Yami. Pérouche, Botam, Shulchim, Mehever la Yam. Elle n'est pas sur ceux qui voyagent de l'autre côté de la mer pour leur prendre ça. C'est pas moi, c'est le. Bon, bref. Elle ne peut pas être là-bas, la Torah. C'est compliqué. Il est dans les avions, il est dans les machins, il est dans les business, il est à Hong Kong, il est à un truc. C'est compliqué. Je dis. C'est pas impossible. Ouais, j'allais te le dire. C'est pas impossible. Je connaissais, alors j'ai connu, je sais plus ce qu'il vient, mais je l'ai connu. J'ai connu un monsieur, c'était un businessman. C'était un Israélien quand j'étais à Bedugan. Il voyageait beaucoup pour son business. Il était dans le marbre à l'époque aux États-Unis. Après, il a continué en Israël. Dans la pierre, quoi. Il était dans la pierre. Il y avait une usine aux États-Unis. Et il voyageait beaucoup. Il vendait ça dans tout le monde pour les trucs, pour les maisons, pour les machins. Il vendait ça dans tout le monde. Et le gars, c'était un. Je sais pas si on peut dire Tamit Racha, Mamash, il connaissait. Ouais, ben, voilà, c'était un Ben Torah. Non, mais même Tamit Racha, il connaissait plein de mots. Et c'était extraordinaire parce qu'il faisait le Dafayomi, mais bien, pas le Dafayomi, comme ça, refif, machin, parce qu'il avait déjà étudié quand il était petit à l'Yeshiva, après il est parti à l'Yeshiva, bon, bref, le méchané. Et même dans ses voyages, il y avait pas un jour où il ratait son Dafayomi. Parce que là où il allait, même à Hong Kong, il y a un Bet Rabat, et là-bas, il y avait un Dafayomi, il faisait son Dafayomi. Là où il allait étudier. Mais c'est rare! D'avoir cette rigueur, cette rigueur, exactement. Non, d'avoir cette rigueur, c'est compliqué. Tu vas en voyage, tu vas en truc, tu vas à Dubaï, qu'est-ce que tu vas à Dubaï, c'est compris, hein? Ouais. Les fichas hamu chachamim zechon livracha, lo kol amarbe besoara markim. C'est ça qu'ils disent chachamim dans Pirkei Avot. C'est pas tout celui qui fait beaucoup de business qui peut devenir intelligent dans la Torah. Parce qu'encore une fois, surtout dans la génération à nous, le Rochad Sadikim, encore c'est il y a des centaines d'années de ça qu'il a écrit son livre. Donc imagine aujourd'hui dans quel monde on vit du business, du machin, du vieux chouette, comme c'est compliqué. Et je vous le dis, Béhémet, ça c'est sincère et du fond du cœur. Ce que vous faites, c'est extraordinaire. Faut pas minimiser ce qu'on fait. De prendre de son temps, de son travail, avant de truquer, ça va vous ouvrir, ça va pas ouvrir, ça machin. Et Blainara, vous êtes là tous les matins. Et vous venez au Limoud, et vous êtes, pas simplement vous venez parce que vous êtes assis simplement, vous êtes actif. Là, Blainara, je vous dis, vous ne savez pas, moi j'ai des retours, des cours quand je mets sur YouTube et quand je mets partout et sur Facebook. J'ai des gens, on parle beaucoup de toi. Ça, voilà, le Marocain, qu'est-ce qu'il a fait? Comment tu me trouves? Je veux pas t'arrêter, je veux plus parler des Marocains. Parce qu'il y a des gens qui me disent arrêtez de parler des Marocains, je te promets. Il m'a dit, je vous apprécie beaucoup, mais je suis Marocain, arrêtez de parler des Marocains. Alors tu vois, je ne veux plus former de Marocains, parce qu'en plus, je vous aime beaucoup, c'est comme les pandas, d'accord? Je vous aime bien, mais ne me tends pas la perche. Tu vois, c'est toi, dis beau gosse. Tu regardes, ne me provoque pas, est-ce que quelqu'un il a dit si on est beau gosse? C'est marocain. C'est sous-entendu. C'est de la folie. En tout cas, Bémet, les gens, ils sont là, ils voient les cours, je vous dis. Et c'est, ce qui est magnifique, ça me fait plaisir, parce que les gens, ils ont dit, on a l'impression d'être avec vous. Parce que c'est interactif. Mais c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Parce que vous êtes là, vous participez, vous êtes là, vous machin. Vous... Et les gens, ils disent, j'ai l'impression d'être avec vous, j'ai l'impression qu'on pourrait participer. Et il y a même quelqu'un, il m'a envoyé, qui n'habite pas en Israël. Il m'a dit, dans quelle synagogue vous êtes, dans quelle ville et tout, si je viens en Israël, je viendrai vous voir. Je te promets, c'est vrai. Il m'a dit, il kiffe le gars. Il a l'impression de vivre son honeymoon. Je te promets. Donc, tu comprends, donc ce que vous faites, c'est pas rien. Vous participez, vous n'êtes pas stamassi. Après, il y a la Gemara, mon fils, alors là, Blainara, c'est du. Mais tu comprends? Voilà. Ce qui est Icar et ce qui est ta fête, tu le